Bonjour, bonsoir tout fanatique Caltivio, messieurs, dames, comment nous y est? C'est un plaisir encore pour moi avec nous aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça. Et moi j'ai une bonne nouvelle pour nous, surtout pour haïtiens qui sont du Mexique, haïtiens qui sont du Chili et qui sont dans la République Dominicaine, qui entrent aux États-Unis d'une façon légale, mais qui pour qu'on ait un accès ou bien qui pour qu'on ait un statut permanent, qui pour qu'on ait un green card ou bien et citizenship dans le pays. Eh bien, mon ça y est, une phase à côté, il est capable de bénéficier de TPS si on est entré dans le pays avant date 6 novembre ou bien jusqu'à 6 novembre. Et bien, messieurs, dames, c'est ça qui va le faire objet à la. Nous allons lire notre ça pour vous et bien, nous allons l'expliquer. Si vous même vous avez rempli TPS, qui l'a commencé à faire ça? Et bien, messieurs, dames, nous allons prendre la fédération enregistrée lui-même. Ta bail dernier annonce la cap fait vendredi prochain. Et bien, vous allez être capable de gagner accès pour aller chercher yon office qui est prêt ou yon monde qui est expert en matière là qui pour aider rempli conditions pour gagner TPS pour là. Et bien, messieurs, dames, c'est critère ça va nous prendre dans la fédération enregistrée et nous allons montrer comment. Et message a été lancé. Ensuite, tout, nous avons un dossier. Côté nous, Canada a mis quelques sanctions sur quelques leaders et grands commerçants haïtiens qui ont financé gang. Ce n'est pas même politicien, non. Je parle des leaders, businessmen qui ont financé gang. Eh bien, Canada a imposé quelques sanctions. Côté nous, avons gelé l'argent, monsieur Sao. Et bien, monsieur Sao, nous avons au détail, actualité. Et nous avons quelques bandits là, tout, qui font la paix. Et ils ont même promis que Wout Matissan moun capable passer et nous allons montrer comment population réagit avec décision ça. Messieurs dames, c'est tout ça qui va faire package dans cette vidéo ça. Nous encourageons rester connecté avec CalTV, nous mandons tant pris abonné à page là, aidez-nous grandir nombre d'abonnés, aidez-nous joindre plus views parce que nous vraiment besoin ça et ou même tout cap garder CalTV chaque fois qu'il y a opportunité pour garder cette vidéo nous encourageons partager faire l'autre monde garder comme ça CalTV capable avancer vers l'avant. Messieurs dames, c'est un plaisir pour me servir chaque fois moi opportunité à kounyen vinal gade qui sa ki genye en dan contenu vidéo ça. États-Unis. Démocrate, républicain critiqué déclaration Trump fait pour suspendre constitution États-Unis. Sap démocrate ou républicain critiqué ancien président Donald Trump après lui lancer appel pour mettre fin dans quelques parties constitution États-Unis par rapport à menti li te bay comme quoi c'est lui-même qui te gagné élection 2020. Trump qui te annoncé mois passé à li pral poser candidat li à la présidence encore en 2024. Fait déclaration pendant week-end sous plateforme Truth Social. Nouveau leader démocrate la Chambre député états-unien Hakeem Jeffries déclaré dimanche commentaire Trump là drôle ak extrême. Député républicain Mike Turner qui représentait état Ohio dans la Chambre là déclaré li pas d'accord dit tout et li condamné commentaire Trump fait. Ni lui-même ni député élu républicain Mike Lauer qui se moun New York dit commentaire ça yo ta doué yon considération les partis a décidé qui est qui ta doué diriger yo en 2024. Et bien messieurs dames, kounye a apporté dans dossier TPS là et c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde qui sorti Mexique ou bien Brésil, Chili qui déjà sous sol États-Unis en date avant 6 novembre. Et bien messieurs dames, nous avons très très bonne nouvelle pour vous là à côté nous gouvernement Joe Biden fait gros annonce ça. Et bien messieurs dames, venez regarder annonce ça ou même qui pas de chance pour te well ou même tout qui pas parler anglais. Et bien messieurs dames, nous allons faire un jeu là pour nous faire comprendre tout ça que t'es dit dans annonce là. Redésignation permet citoyen haïtien qui fait éligible appliquer pour TPS avec document autorisation travail. Washington, secrétaire sécurité territoire Alejandro Mayorkas jeudi a annoncé extension et statut protégé temporaire qui c'est TPS pour Haïti pour un autre 18 mois. Sorti 4 février 2023 jusqu'à 3 août 2024. À cause conditions extraordinaires et temporaires en Haïti, l'ité changé nom Haïti tout pour TPS. Ça qui te permet citoyen haïtien qui habite aux États-Unis à partir 6 novembre 2022 pour yo appliquer pour TPS jusqu'à 3 août 2024. Tout en temps yo rempli toutes conditions éligibilité yo. L'important pour songer que haïtien cap entrer États-Unis après 6 novembre 2022 yo pas qualifié pour TPS. Et même gens à l'autre monde qui pas gagne une base légale pour yo rester États-Unis, yo bral sibi pour yo retirer yo. Répétez, haïtien cap entrer États-Unis après 6 novembre 2022 et cli moun qui ta ka envisager entrer kounyen, yo pas qualifié pour TPS. N'a bay sekou humanitaire qui nécessaire pour citoyen haïtien qui déjà présent aux États-Unis.
Secrétaire sécurité territoire Alejandro Mayorkas dit condition yo en Haïti tant kou défi socio-économique, instabilité politique ak violence ak crime gang ki aggravé par désastre environnement très forcé secours humanitaire na bay jodi a. Secrétaire Mayorkas prolongé ak redésiyé Haïti pour TPS après consultation ak partenaire interagensyo ak attention sous condition extraordinaire ak temporaire en Haïti qui gen la dan yon crise politique prolongée insécurité grave ak crime gang qui vin pi grave yon situation économique terrible yon manque de accès à manger d'eau gaz ak soin santé pendant yon résurgence choléra ak dernier tremblement catastrophe yo li important jan sa indiqué en haut. Songe que TPS a appliqué seulement pour moun ki déjà habité aux États-Unis à partir de 6 novembre 2022 et puis qui satisfait toutes l'autre condition yo. Moun ki essayé voyager aux États-Unis après annonce ça pas éligible pour TPS et puis si yo rentre irrégulièrement ou soit sans autorisation légale, yo va sujet à rapatriement. Yon avis registre fédéral qui va publier bientôt a expliqué critères éligibilité yo, délai ak procédi qui nécessaire pour bénéficier actuel yo réenregistrer et puis renouveler document autorisation travail yo qui c'est EAD et puis pour nouveau applicant yo soumettre yon premier application en bas désignation appliqué pour yon. Et bien messieurs dames, c'est comme ça la note la te sorti côté nous et moun k'ap jere Homeland Security a qui c'est Alejandro, li fait annonce ça sorti, li dit que tout monde qui était déjà sous terre États-Unis avant date 6 novembre et qui était rentré dans en condition légale, et l'aime dit condition légale moun qui sorti Mexique yo bayon I-94, et bien moun sa yo avec l'autre monde qui était déjà sous sol États-Unis qui était TPS qui voulait renouveler, eh bien yo va capable renouveler yo et moun sa autour qui fait rentrer sous sol États-Unis avant date 6 novembre yo qualifié pour TPS. Et il dit tout l'autre monde qui a venu après date ça yo pas qualifié. Et si gen moun tout qui rentré dans date dans États-Unis d'une façon illégale, eh bien yo ta croisé avec moun sa autour, il a rapatrié moun sa yo, il a fait retourner la caillou. Et il aller plus loin toujours pour faire connaître gen pile aide yo bay surtout avec haïtien par rapport avec condition pays à côté noue gang k'ap fédéré pas gen d'eau pas gen gaz pas gen santé. Et bien le fait que moun sa yo fui Haïti yo couri, c'est comme si moun sa yo vinn chercher un réfugié États-Unis, et bien gouvernement mette quelque bagay là pour accompagner moun sa yo pour bay moun yo ti manger ti kob etc jusqu'à ce que moun yo ka prend cap yo. Et bien TPS là libre là ouvri là pour moun yo commencer appliquer une façon pour moun qui te chita sous compte l'état yo et nan jan yo di nan texte la pour moun sa yo capable joindre un travail ou pour joindre façon pour al travail pour faire kob yo. Kounye la yo di non, nous obligé tan fédéral registre sorti en note qui dit qui est qui critère et qui condition ou même ou ap gen pour appliquer. Et bien n'attend vendredi prochain pour nous tan fédéral registre bay et déclaration ça pour mettre officiel et pour tout monde qui voulait renouveler TPS yo et tout monde qui voulait appliquer pour TPS ou bra capable faire ça. J'ai noté annonce, messieurs dames, qu'on y a nouvel l'IPOS et gouvernement canadien mette de yola, côté yo dit. Le Canada impose des sanctions contre des membres de l'élite économique haïtienne. Ça, c'est grand point qu'a dominé actualité. Et bien, communiqué de presse à tabal sorti comme ça. Le 5 décembre 2022, Ottawa, Ontario, Affaires mondiales Canada. La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui que le Canada imposera des sanctions supplémentaires en vertu du règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti. En réponse à la conduite inacceptable des membres de l'élite haïtienne qui apportent un soutien financier et opérationnel illicite à des gangs armés. Ces dernières sanctions visent 3 membres très en vue de l'élite économique en Haïti. Gilbert Bidjo, Reynold Dib et Sherif Abdallah. Ça c'est 3 noms moun que Canada la sanctionné et pour moun sa yo k'ap financer gang k'ap fait trafic illicite que yo disqualifié que yo pas accepté. Et leur impose une interdiction de transaction. Ça veut dire moun sa yo pas ka fait acheter rien dans Canada et même si yo ta gen kob dans pays Canada yo pas gen accès avec comme ça.
ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu'ils peuvent détenir au Canada. Ça veut dire l'argent moun sa yo va geler yo, yo va freeze comme moun sa yo dans Canada. M'ta souhaité pour voir le gouvernement haïtien et parce que nous-mêmes c'est comme pays moun sa yo al stocker Canada, al épargner Canada. Eh bien, si n'a gelé mes amis, pensez avec reste population haïtienne qui n'a pauvreté, qui n'a misère, bien que nous ait gagné là, ti la pli, iso, Chris là, il t'a fait la paix et il t'a dit que moun ka passé, n'a demandé est-ce que c'est même bagarre n'est passé à qui monsieur ça t'a voulu faire là, fait comprendre moun ka passé après ou jeune soldat yo a kidnappé moun, yo façon pour négocier cob pour décembre. En tout cas, messieurs dames, n'a suivre. Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut de membre très en vue de l'élite économique en Haïti pour protéger et permettre les activités illégales des gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Ces gangs et leurs partisans continuent de terroriser les populations vulnérables en Haïti en toute impunité et ils précipitent une crise humanitaire dans le pays, qui comprend la résurgence du choléra. Ils commettent également des actes de violence inqualifiables, notamment des violences sexuelles généralisées, à l'encontre des populations touchées et empêchent la prestation de services essentiels et l'acheminement d'aide humanitaire. Ça, c'est même bagaille que nous, côté Homeland Security dans les États-Unis, ils ont déclaré y a by TPS, c'est même critère ça yo, yo sont cité avant ou t'as suivi côté me t'appeler pour c'est même critère ça yo côté yo est gang armé moun yo bagay sou santé viol tout bagay ça mais c'est sous même critère ça qui fait yo bay haïtien la TPS et yo y a renouvelé statut yo en façon pour moun sa yo ka jwenn yo accès pour yo travail sous terre tout ensemble. Et bien messieurs dames, c'est comme ça là Canada là et sanctionné trois nan élite économique haïtien là Jean Sotwell la Chérif Abdallah et tant d'autres. Et bien kounyan là gen moun ki pointé du doigt, yo di si non Dimitri Vob pa nan liste là, ça veut dire Canada pourquoi a fait travail là. Et bien vinal gade qui est ça qui te dit ça et pour qui raison li dit que si on pa mette non Dimitri Vob, ça veut dire pourquoi ganyen k'a fait vraiment. Nous t'a parlé Giovanni Michel qui t'a posté comme ça sur compte Twitter lui pour le dire important. Sans le nom de Dimitri Vob, la liste émise par le Canada sera manquante. Les ambassades des États-Unis et du Canada doivent jeter un œil attentif sur Dimitri Vob, Yuri Meves, pour leur participation dans le financement des gangs en Haïti. Il faut que ça change. C'est ça là. Zamia te fait comprendre et il te poste photo Dimitri. Il dit faut que bagaille change et faut que Canada t'a fait t'y garder encore. Avec États-Unis sous Dimitri Vob avec Yuri Meves, yon façon pour yon wè, mais monsieur Sayo, yon pas innocent dans crise Haïti a traversé ya. Eh bien, mesdames et messieurs, j'en capable constater, après Canada fin et déclaré non nèg cap financer gang yo, m'pa même parler des politiciens non businessman nèg cap fait gros commerce Haïti yo, eh bien ou jeune non Chérif Abdallah, ou jeune Meves et tant d'autres, eh bien nan moment là pi fort bandi nan Matisan tant que Chris là Izo ti la pli nèg sa censé faire la paix et gayon poste m'a regardé moun ki fait poste ça t'a fait comprendre c'est parce que monsieur sa ki t'en estimé yo pral gen carence en munition et c'est une raison qui fait yo choisi faire la paix et yo ouvri route là pour moun passer je regarde là après full moun yo là gade yo ouais comment moun yo content. Yes, ouais comment moun yo content parce que route la ouvri pour cette population ralon souffre, population délivrée. Mais question m'a posé tête moi, est-ce que ouvri monsieur ça ouvri route ça, c'est pas même avec année passée. Les non-songe côté Bob, c'est a dit que monsieur dit moun ka passé et pourtant nèg yo a kidnapper moun. Son meilleure façon nèg yo té utiliser pour yo capable faire l'argent pour fête fin d'année. Et bien est-ce que c'est même bagala encore qui répété là? Nous pas connait. En tout cas, n'a dit population très réactif par rapport avec décision ça qui gagne côté nous étant d'autres bandits de côté la pli nous croyons qu'il dit les convertis les remettre zam et les bail bon la ville nous t'a souhaité c'est un bon bagaille et c'est pas fait il y a fait population. Ok mesdames et messieurs amis mio fanatique cultivé mio nous soutenons décision Canada prend et nous avons quelques réactions et population quelques réactions bandits mais qu'on y a bon moyen de chance pour moi faut attendre et quelques bandits là qui t'a parlé
même dans ces circonstances ça gien k'ap di yo converti et cetera yo pa pasteur et bien messieurs dames on prend titre pour entendre déclaration bandi yo pour nous est-ce que vraiment vrai nous capable faire monde ça confiance est-ce que population gien accès pour passer dans zone Matissan est-ce que code sud pays a gien accès pour rentrer dans Port-au-Prince et pour yo promener dans pays a Jean Ouvlé même Jean constitution ba nous droit pour tout monde libre et libre mais malheureusement bandi yo te kembe nou en otage a fait nous pas de cas vaquer avec activité nous comme ça doit beaucoup de nous mon a quitté caillou mon pas arrêter dans zone tant que ça vend pistache et quoi des bouquets tant d'autre côté la boule mes amis c'était en tête chargée kounyan est-ce que réellement vrai Haïti commence à venir souffre par rapport avec les sanctions que Canada imposé avec quelques monde yo présumé cap financer gang dans pays d'Haïti. Je dis à ma vie prêcher parce que ma pasteur pas dit pour ça. Mais même venir parler avec nous et vous expliquer nous l'un des jeunes dame ça il demande moi de recevoir. Les déchets à parler avec il explique que son j'étais fait. Il a accepté de dire ma fête. Mais l'homme de ma fête là, pas qu'on voit une vraie volonté pour me faire vrai, même de dire ma fête. Même les deux voisins qui m'attendent, chaque jour, il dit faut faire ça en tout là, il dit ma fête. Il dit ma fête. L'homme vient décider. Et les mêmes dans les dames, d'un côté, ma colline, la main de moi, les lettres disent même bagarre, elle dit bon, nous sommes croyants, depuis bon Dieu dit nous faisons bagarre, ma poumée pour me faire, les bonnes gens, ça y est, ma fête. Je dis bon Dieu, j'en suis là, mais je connais si c'est volontaire, la fête. Je dis à nous dans le dernier jour. Je dis tout le peuple fondamental merci. Je dis tout le pasteur merci. Je dis chaque nous qui la journaliste merci. Musicien merci. Tout le monde qui quitte le foyer qui vient à merci. Et le monde qui va venir tout merci. Je dis peuple haïtien. Je dis à nous parler de l'amour. Je dis, j'aime de nos pasteurs t'a dit, tout ce qui a passé à Haïti, c'est la fin du monde. Non. Parce que moi, c'est la fin du monde, pas pour c'est Haïti. La fin du monde, c'est pour tout le monde. Je dis, il faut nous dire même pour Haïtien. Côté nous, Léa, nous cotisons pour là. L'an dernier dans l'école, je ne vais pas apprendre si mon nom est mes gâteaux. Je ne vais pas apprendre si mon bon côté. Je dis à nous si mon fondamental là. Mon nom dans l'église. Même dans ces 30 minutes, nous pouvons passer même. Nous disons si mon nom, nous pouvons payer pour Haïti. Il faut nous aimer Haïti. Parce que c'est la donne fête. Nous pouvons peuple qui est le peuple haïtien. Il faut aimer le fort là qui est bon côté là. Parce que la majorité ça qui a passé dans le pays, haïtien pour beaucoup. Haïtien, l'OMS est le domaine où j'ai une communauté chinoise. États-Unis, où j'ai une communauté hispanique. Mais nous-mêmes haïtiens. Les niveaux européens, nous on a chuté sur l'autre. Nous on a aidé l'autre. Je dis à fond changer mentalité nous. Si nous besoin Haïti, il faut nous prendre conscience. Parce que Haïti nous met bien, la promesse est sous moi, sous nous, sous l'autre, sous nous. Pour qui ça les Haïtiens dans notre pays, ils marchent sous loi. Ils connaissent pour ne pas pipi dans la rue, pas faire. Ils connaissent pour ne pas faire tout ça, ils ne pas faire respecter. Pour qui ça dans le pays, nous ne pas capables. Pour qui ça nous va respecter nous dans le pays nous? Faut qu'Haïti coule. C'est bon président. C'est bon ministre qui a changé le pays.
c'est pas américain, c'est pas canadien, c'est pas la France qui a venu changer le pays ça. C'est nous-mêmes ici pour changer Haïti. Jodia, n'a dit pas ici. On met tête ensemble. Suspend. Courir quitter Haïti. Oui, Haïti pas bon. Oui, Haïti qui a problème de sécurité. Oui, Haïti qui a plus de problème. Mais qu'on y a, on va au Canada, on va à la France, on va au Mexique. Et mon Mexique, si on bat vous-même, vous êtes un bon pays, vous êtes un bon pays. États-Unis, si vous êtes États-Unis, bat vous-même pour États-Unis, vous êtes un bon pays, vous êtes un bon pays. Je dis à la mort de chaque haïtien, la jeunesse, en fait effort. Changement haïtien, on sort dans nous-mêmes. Commencez à changer tout ça par bon en haut. Commencez à apprécier les gens qui sont côté là. On est dans l'église. Moi-même, les entrer dans l'église. Dans l'église Balmarché, je vais changer un peu de bagaille. Vous chrétiens, vous allez enlever des nuits toute la journée, toute la nuit, le gel toute la nuit. Il faut que chrétiens aient le travail. L'église, faut que nous qui chrétiens, vous connaissez, et vous sous terre, il faut participer dans le développement du pays. Il faut passer à faire formation pour dire, nous-mêmes, nous sommes chrétiens, mais nous sommes sous terre. Mbazou pour aller rouler caoutchouc, Mbazou pour aller rouler voye roche. Mais la décision qu'a faite dans le pays, il faut entrer là-dedans, il faut participer. Nous sommes 52%. Nous avons le pays, alors on ne peut pas être notre monde. Tandis que, on ne peut pas être dans l'église, c'est pas faire mieux que ça qu'a fait là. Faut que l'église aille représenter le pays. Faut que l'église commence à rentrer dans des programmes pour former les gens, j'aime les gens qui sont dans l'église. Pas de gens, et vous avez pour une église, et trois fois par jour, quatre fois par jour, non. Faut que les gens aient un travail, faut que nous fassions ville. Peu pas ici. Côté nous là, nous ne sommes pas là. Mais faut être conscient, c'est nous-mêmes qui mettons nous là. Faut peuple la forcer dirigeant nous, respectez nous. Faut peuple la forcer l'État travail. Depuis l'État pour une décision, il est tout comme de elle nous obéit. Non. Dans notre pays, il met un centime sur le coup de machine. Peuple la prend la rue, brise le gaz et il a besoin de résultat. Nous même pas ici. Nous obéissons toi vite. Faut que nous conscients, nous voulons veiller, nous voulons changer, mais faut que nous bataillons tout ça. Je dis merci, merci, merci. Je dis, nous besoin la paix à Haïti, nous besoin la paix dans le troisième lien, nous besoin la paix dans tout pays. Parce que presque tout côté la pays a bloqué. C'est nous-mêmes Haïtiens qui avons boumé contre Haïtiens. Je demande mon Dieu, changez chaque grain qui est monde dans le pays. Changez quel négat, Samuel. Changez quel tout le monde. Nous besoin. Voyez Haïti. Voyez Haïti à sortir dans le temps. Voyez Haïti à parler américain qui a battu. Je dis merci, merci, merci. Que mon Dieu bénisse. Ah non, attendez. Frappez-moi, frappez-moi. Frappez-moi tout seul, frappez-moi. Son message pour toute nation. Son message l'amour. Quand je bénis. Quand je bénis. Pendant papa et même de son, ça ne va pas appuyer pour lui. Bon vent de transformation qui a soufflé sur la ville. Bon vent d'espoir qui a soufflé sur la ville. Autant de, est-ce que vous avez un mot? Oui, maître l'église. Ah, regardez les amis de là. Est-ce que vous pouvez me dire ça?
même entre l'église, dans le plus bagage moi-même, ça nous a donné des espoirs un jour. Nous avons l'ami qu'on amène, pour la journée, accepter Jésus comme son personnel.